d'autres pas encore. On va dire que c'est un cheminement, c'est un raisonnement que j'ai depuis que j'ai commencé en 2003, il y a quelques années maintenant, à m'intéresser à cette thématique. Donc avant d'aller plus loin, je vais me présenter vite fait. Qui me connaît ? Tout le monde ? J'ai besoin de me présenter, c'est la question. Alors, je vais faire ça très rapidement. Je suis quelqu'un qui a toujours vécu en dehors de la norme, en dehors des sentiers. Je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser. Peu importe. J'aime découvrir par moi-même. J'aime chercher. Et en 2003, j'ai eu cette envie, une fois que j'avais ma bagnole, de m'intéresser à tous ces procès-verbaux que de milliers de Français font chaque année, qui sont récupérés par nos gendarmes français et qui finissent au guet-apens. Donc ce sont les observations d'OVNI. Puis j'ai aussi, je me suis intéressé aussi à toutes ces histoires qu'on raconte à travers différentes cultures, différentes religions, différentes époques, sur est-ce que ces fantômes sont réels ou est-ce que c'est simplement des histoires pour faire peur aux autres. Et puis petit à petit, je suis tombé dedans, l'équipe RIP m'a rejoint, un par un, je suis tombé un peu amoureux de ce truc-là, entre patrimoine et mysticisme, légende. Et on a eu la chance, parce que c'est une chance, que Canal Plus nous ait dit oui pendant 4 ans à faire ces 4 séries documentaires que certains d'entre vous ont vu, d'autres n'ont pas vu. Et on a toujours eu cette envie, on va dire, d'essayer d'ouvrir l'esprit. C'est simplement la seule chose qui nous motivait, d'essayer d'ouvrir l'esprit dans une société qui est si cloisonnée, qui nous dit comment penser. Allez, c'est parti. Avant de démarrer, il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. On vit dans un monde où il y a une guerre entre l'information et la désinformation. Chaque chose que l'on vous dit, ce que je vais vous dire, ce que d'autres vous ont dit précédemment, je vous inviterai toujours à les vérifier. Les sources, les chiffres. Et pas une source. Prenez 2, 3, 4 sources. C'est un vrai travail. Certains le feront, d'autres le feront. C'est un vrai travail nécessaire si on veut effectivement sortir le paranormal du tiroir dans lequel il est. Il faut travailler définitivement tous ensemble à ça. Je vais vous poser différentes questions. Qui croit aux fantômes ? Qui croit à la survivance de l'âme ? Qui croit aux extraterrestres ? Qui pense que nous sommes seuls, absolument seuls, dans cet univers ? J'ai envie de vous dire que tous les bons élèves. Parce que ce sont 4 questions de groupe de 2. Les 2 premières sont globalement la même et les 2 suivantes sont globalement les mêmes. J'ai eu des moins bons élèves dans d'autres événements. Mais tout est une façon de compréhension en fonction de ce que l'on vous dit, ce que les médias vont vous dire, ce que moi je vais vous dire, ou même ce que d'autres vont vous dire. Personne n'a la vérité sur cette thématique. Donc cette guerre, c'est manipuler l'information toujours pour diriger les masses, nous diriger. Certains diront complot ou pas complot, peu importe. Je pense que c'est un autre débat, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est de vérifier définitivement cette information. À terme, on est dans cette société pour nous éviter de trop penser, de trop réfléchir, de trop vérifier. Et je ne ferai que vous inciter à le faire le plus possible. Commençons par le début. Quelles ont été les raisons qui m'ont poussé personnellement à partir dans ce chemin de croix ? La première, c'est tout simplement des millions et des millions de gens racontent des histoires depuis la nuit des temps. Y a-t-il est-ce que ces témoignages sont vrais ? Est-ce que certains ont été inventés, probablement ? Est-ce que d'autres sont de véritables, authentiques histoires de fantômes, d'ovnis, de bêtes, de monstres ? Je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est ce qu'on va voir dans cette conférence. J'ai essayé d'aller très très loin. Je suis remonté à moins 50 000. J'ai essayé de vous expliquer d'où que c'est pas quelque chose qui vient comme ça de 30, 50, 60 ans, 80 ans. C'est beaucoup plus ancien. Deuxième point, c'est notre histoire est pleine d'incohérences. L'histoire qu'on apprend à l'école, plein d'incohérences. On va vous donner un exemple très simple. On a tous appris que nous descendons du singe, l'évolution. Mais n'oubliez jamais que c'est une théorie. Ce n'est pas un fait. Elle a été mise à l'épreuve, et cette théorie, et ça reste encore une théorie. Je ne suis pas en train de dire que nous ne descendons pas du singe, je dis simplement, j'utilise la vraie sémantique, c'est une théorie. Et pourtant, on nous l'apprend comme un fait. Toujours faire attention à tout ce que l'on lit, tout ce qu'on apprend. Et donc, du coup, d'un point de vue scientifique, archéo, biologiste, la plupart ne s'entendent pas
sur cette histoire passée. On peut discuter avec 50 biologistes qui vous tiendront globalement une dizaine d'opinions différentes sur l'exobiologie ou sur la biologie des mammifères ou sur l'évolution du singe en Centrafrique. Parce que nous ne savons pas tout. Et parce que nous ne savons pas grand-chose, bien prétentieux, celui qui vous dira « je sais tout, sur tout, sur tout, sur tout ». Et la science d'aujourd'hui est un petit peu la religion d'hier. C'est quelque part, c'est un dogme. Regardez, il y a certains scientifiques qui, de temps à autre, essayent d'apporter des théories, et ces théories sont refutées sans même être lues, sans même être même, ne serait-ce qu'envisagées. Voilà, par exemple, l'exemple de Jean-Pierre Petit, qui voilà. On aime ou on n'aime pas Jean-Pierre, force est de reconnaître que c'est quelqu'un qui est extrêmement pointu dans certains domaines de la physique. Ensuite, l'autre point, c'est l'Église libre et saison du coup. Pour une envie aussi très personnelle, ayant évolué dans la question de la vie pendant que j'étais à mort, la question de la vie après la mort, je n'ai beaucoup de chance dans ma famille, je n'ai pas vécu moi la mort pendant ma famille, et par contre j'ai perdu mon chien. Alors moi, il y en a qui me diront, c'est un chien. Mais bon, ce chien était très malade, et puis on te donne moitié d'espérance de vie, donc du coup tu crées des liens affectifs plus forts que la normale, parce que tu sais qu'il est condamné à mourir plus rapidement qu'un autre chien. Il est toujours dans mon bureau, il est toujours à côté de moi. Tu crées ces liens assez forts. Et le jour où il meurt, je me dis, putain, mais merde, il va où, il fait quoi, qu'est-ce qui se passe vraiment après? Une fois que vous êtes vraiment confronté à la perte de quelqu'un, c'est pour ça que certains d'ici ont perdu des proches, on passe à un autre stade. Pas ce stade de la douleur, de la souffrance, de la remise en question, qu'est-ce qui se passe après, où est-ce qu'on va, toutes ces questions absolument, je crois primordiales en fait, pour garder une certaine balance. Et le dernier point, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, Les Saisons du Paradis, c'est je voulais écrire une fiction, car malheureusement, le monde dans lequel on vit, eh ben, on congratule les héros fictifs. Qui est Jon Snow? Qui est Tony Stark? On vit dans un monde consumériste, matérialiste, et donc de temps en temps, il faut savoir jouer aussi avec ses ficelles, avec ses propres pièges. Donc je me suis dit, à l'instar de tous les autres collègues qui sont sur le show, où ils ont effectivement, c'est des histoires, c'est leur expérience, leur vie, ils ont décidé de raconter leurs histoires, leur vie, moi, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Je me suis dit, tiens, je vous donne un exemple tout bête. Si demain Tony Stark était végétarien, tous les enfants seraient végétariens. Parce que la manipulation des masses, elle est si facile, elle est si magique. Et je vous sors de ça parce que j'ai vécu 3 ans à Los Angeles, au milieu de production, au cœur d'X-Files, par exemple. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait, comment tout fonctionne. Quels sont chaque choix est bien réfléchi en amont pour un seul objectif à terme, c'est de vendre. Voilà en gros comment tout a démarré. Première partie. Sommes-nous extraterrestres par définition? Donc c'était un petit problème qui était affiché, mais c'est la première partie. C'est une question qui peut faire sourire pour nombre de personnes. Je vais essayer de vous expliquer mon cheminement de raisonnement. Après, ben, vous me direz sur le stand, quand on en parlera, ce que vous en pensez. La première, c'est que personnellement, je découvre moi-même le phénomène en 97. J'observe dans le ciel, en pleine journée, un dimanche après-midi avec un ami, sa famille, mais principalement avec lui, une sphère métallique au-dessus de nous qui n'émet aucun son et qui va petit à petit se déplacer de gauche à droite, toujours en n'émettant aucun son. Et cet objet va disparaître. L'observation ne durera que quelques secondes. Ça me paraît proche. Sur le moment, je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai absolument pas idée, je ne connais pas du tout le sujet OVNI. Je veux dire, en 97, je crois que j'ai 16 ou 17 ans. Je suis là en vacances pour faire du wakeboard. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je rentre de vacances, je commence à m'intéresser, je suis un fou d'amour. Et il y a quelque chose qui va vraiment me marquer instantanément, et j'aimerais vraiment vous faire partager. C'est la notion que ces objets volants non identifiés, ces ovnis, sont réels. Et je dirais la même chose qu'à la NACMEC. Je dirais la même chose que les membres du FON, du QFOS. Quand il y a matière, il y a objet. Donc il est réel. C'est-à-dire qu'il évolue dans notre espace matériel. Et je vous donner la preuve de pourquoi il est matériel. Quand un témoin X, monsieur, observe à 14h30, au nord du domaine de Chamonix, un objet dans le ciel, que monsieur Y, à 34 km de là, observe le même phénomène avec les mêmes lumières, et qu'une troisième personne, alors
enseignant qui observe le même phénomène à l'autre bout observe le même phénomène, on a trois témoins. Vous allez toujours me dire, mais c'est encore une preuve, c'est un témoin. C'est vrai. Par contre, quand on contacte l'aéroport, et qu'à l'aéroport, dans la grande boîte noire, en fait, les aéroports ont différentes boîtes noires. Elles sont catégorisées. Il y en a une grande en fait, qui enregistre l'intégralité de tout les déplacements. C'est celle-ci qu'il faut qu'on sait, c'est ce qui nous intéresse. Et qu'à ce même endroit, au même moment, on a un objet qui a été pris par la boîte noire, c'est-à-dire qu'il y a matière. C'est du dur. C'est du dur. C'est pas des gaz, c'est pas une hallucination collective comme la presse, comme les médias veulent nous faire croire. C'est pour ça que les grands ufologues, les gens qui se sont vraiment, et qui ont mis les deux mains dedans dans ce truc-là, je vais vous en citer quelques-uns derrière, sont exaspérés quelque part. Parce qu'on n'arrive toujours pas à faire comprendre à l'opinion publique, parce qu'il y a toute une barrière pseudo-intelligente qui nous empêche de divulguer les informations. Je pense que là, vous êtes globalement tous, vous avez tous compris que ce sont des objets volants non identifiés. Je ne vais pas parler de ça. Là, ça peut être les sauts de terre, ça peut être test X ou Y. Tout est le débat est bien évidemment ici. Le deuxième point, c'est que voilà, je rentre dans ce phénomène, puis je me rends compte qu'il y a tout un ensemble de personnalités extrêmement compétentes, extrêmement sérieuses, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Je vais d'abord nommer un homme que je trouve absolument fantastique, c'est Alan Hynek, qui est donc un Américain qui a travaillé pour l'US Air Force, et qui, après avoir travaillé pour l'US Air Force, pour débunker tous les cas d'OVNI, parce que l'armée américaine lui demandait il faut que tu nous détruises un petit peu là tout ce qui se passe, parce que les gens commencent à avoir des trucs un peu dans le ciel, ça devient compliqué pour la nationalité, la sécurité de l'espace aérien américain. Et lui, donc, du coup, petit à petit, les années passant, va se rendre compte que le phénomène est réel. Et va se retrouver en fight avec les Air Force. Je nommerai aussi John Mack. John Mack, qui a fondé le département de psychologie, que je ne dis pas bêtise, de Harvard, aux États-Unis, qui lui a travaillé pendant plus de 10 ans sur ce qu'on appelle les anglais, les abductés, les gens qui disent avoir vécu un phénomène assez surréaliste qui met en branle un petit peu notre société, les gens qui sont enlevés par les extraterrestres. D'ailleurs, on en a rencontré un, il y a certains qui nous suivent aussi en live, parce que maintenant, toutes les enquêtes, tout ce qu'on fait avec Mariana, on fait en direct, en live, pour enlever toute suspicion de fake et compagnie. On a eu un garçon qui a partagé son expérience dans le B. Certains d'entre vous ont trouvé ça fou. Moi, pour en avoir rencontré beaucoup, ces 15 dernières années, j'étais habitué. C'est un quel grand défi nous lance ces témoignages. Très bien, évidemment, à nous d'aller chercher le vrai du faux. Ensuite, je vais vous sauter, putain. Voilà, un autre scientifique que j'aime beaucoup, c'est le professeur Claude Alain Rotten, spécialiste en microbiologie et exobiologie, l'EPFL à Lausanne, qui lui a travaillé sur la théorie de la panspermie, l'échange des bactéries et des virus dans l'espace. Est-ce que ces bactéries et ces virus survivent dans l'espace? Nos recherches scientifiques sont en train de démontrer que oui, ce n'est extraterrestre. Ensuite, petit à petit, on continue, je commence à partir, on va toujours plein, parce que vous allez voir, sur le salon, il y a plein de gens extraordinaires qui ont fait des recherches assez fantastiques, on va toujours plus loin, et on se rend compte que cette question extraterrestre revient souvent dans les grandes constructions. On aborde du sud de l'Amérique latine jusqu'au nord de l'Amérique, en passant par Centrafrique, jusqu'à l'Asie. Est-ce qu'il est envisageable que par le passé, d'autres mondes, d'autres pertes, d'autres gens soient venus nous aider? La question est légitime dans le sens où la plupart de ces anciennes civilisations reprennent que des gens venus des étoiles, dans certains cas des chariots de feu, dans d'autres d'une autre façon, sont venus nous guider, nous ont appris les sciences, les mathématiques. Est-ce qu'on peut remettre en question ce que racontaient les Mayas ou d'autres, les Indiens Anasazis par exemple, ou certaines tribus africaines? À l'époque, n'oubliez pas que la télévision n'existait pas, les livres n'existaient pas. Bon, pourquoi pas? Je veux dire encore une fois, pourquoi pas? Et je vous invite vraiment à aller creuser vous-même, aller chercher vous-même dans ce sujet. Certains d'entre vous iront découvrir que les Sumériens, donc cette fameuse civilisation qui est globalement difficilement acceptée par nos archéologues, nos historiens, du mal, hein, c'est pas facile. Aujourd'hui, notre histoire, dans les livres d'école, commence à l'Égypte. Moins 5, moins 6.
On n'ose même pas dire quelle est la datation, même si les datations sont quand même relativement difficiles sur les pierres, il faut quand même le mentionner. Le Sphinx, pas tout à fait sûr quand même, hein. C'est quand même énorme, 3-4 000 ans de différence par rapport à une date officielle, on ne sait pas trop. Et on va rencontrer de nombreux égyptologues et archéologues qui tiennent des discours publics, parce qu'ils savent très bien que s'ils explorent d'autres pistes, ils auront beaucoup de mal à lever certains fonds qui vont leur permettre de faire des travaux et des recherches. Donc sommes-nous extraterrestres ne paraît pas si fou, ne paraît pas si illuminé au final, quand on a tout un ensemble de données. Donc pour ceux qui sont arrivés après, je vous invite toujours à vérifier vos sources. Parce qu'on est dans un monde où l'information, la désinformation, il y a une guerre. Certaines personnes, pour manipuler les masses, en télévision ou autre. Venez madame, c'est pas grave. Plus on est fou, plus on rit. Gardez l'esprit ouvert et gardez l'esprit critique. Et vérifiez vos informations, et pas une, mais 3 ou 4 maximum. Et vous allez voir que c'est là toute la complexité, je pense que certains d'entre vous. Je vois les yeux, l'œil du tigre. L'œil du tigre, je le vois dans certains. Certains comprennent ça exactement de quoi je parle. La deuxième partie concerne la vie après la mort. La vie après la mort, celle qui nous fascine. Celle que tous ces chasseurs de fantômes enlèvent. Moi, je déteste définitivement le mot chasseur de fantômes, que je trouve absolument puéril, mercantile, stupide, et encore une fois pour faire l'audience. Malheureusement, on nous l'impose. Certains diront oui, mais la chaîne RIP, c'est marqué chasseur de fantômes. Et oui, quand on est en contrat, malheureusement, on ne peut pas que je le fasse qu'on veut. D'où une raison pourquoi nous avons décidé de jamais renouveler nos aventures. Parce que nous avons vraiment une pression, on dit tiens, on se fait chier dans le truc. Putain, il ne se passe jamais rien. Regarde de cette aventure, c'est la fête. J'ai eu une chance extraordinaire pour écrire Les Seigneurs du Paradis. J'ai passé beaucoup de temps avec Grant Wilson. Grant Wilson, que certains connaissent, qui est l'un des fondateurs de TAPS, le premier. Et j'ai eu la chance de passer des week-ends avec sa famille, avec Anna, etc. Et Grant m'a livré très clairement, m'a expliqué ce qui s'est passé pour lui. Après la 4e saison, il fallait faire du faux. Et puis il a un contrat. Il se bat. Il dit je ne veux pas faire de faux. Monsieur Wilson, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est soit vous le faites, soit vous le faites pas. Et si vous ne le faites pas, par contre, il faut payer un droit de sortie. On est en Amérique, et le droit de sortie, c'est 200, 300, 400 000 dollars. Il ne peut pas, il n'y a pas l'argent, il gagnera de l'argent que bien après. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Et l'indépendance, certains vont demander des maisons d'édition, tout ça. Non, l'indépendance. C'est dur, c'est un chemin, c'est de porter une croix tout seul, pour vous dire exactement ce que j'ai envie de vous dire. Sans que personne ne me dise quoi que ce soit. Et je l'ai vécu sur des conférences. Hein. Pas difficile, tu ne peux plus faire conférence, du coup, c'est dangereux. Ok, c'est pas grave. Pas de filtre, ça sert à rien. Donc, la vie après la mort, j'ai arrivé à une observation, pas du tout prétentieuse, c'est vraiment une observation, une réflexion. Nous nous réincarnons en deux temps. Est-ce que la réincarnation est possible? Est-ce que la réincarnation existe? Est-ce que la réincarnation peut être démontrée scientifiquement. Premier temps, la mort est physique. Elle vient physiquement. On meurt parce que notre corps se dégrade. Parce que, atteint de maladies, de fatigue, de vieillesse, il se dégrade petit à petit. Et du coup, en se dégradant, nous perdons la vie. Combien de personnes, juste avant de décéder, sont encore extrêmement lucides, sont encore extrêmement bien, sont encore extrêmement éveillées. Notre corps meurt. Et en mourant, il alimente tout ce qui nous entoure. Si je suis mis en terre, pourrir petit à petit, puis nourrir le bois. Et le bois sera rongé par des insectes, par des animaux. Et ces animaux et ces insectes, à leur tour, seront mangés par des oiseaux, qui eux seront mangés par des prédateurs. Et vu qu'on est humain, vu qu'on mange un peu tout, ça se trouve, on va manger aussi les autres. Globalement, on a un chemin de réincarnation physique sans fin, qui existe depuis que cette planète existe, soit 4 milliards d'années. Ce chemin de réincarnation n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, pour ce qu'on peut répondre à la question, est-ce qu'on se réincarne, je vais vous donner quelques chiffres très intéressants. Le premier, est-ce que vous savez combien de morts il y a-t-il eu sur notre planète? C'est une estimation. Il n'existe pas de chiffre précis, mais c'est une estimation plutôt bien foutue de National Science Foundation.
108,5 milliards d'hommes souverains sur notre planète. Si on se réincarne physiquement, c'est-à-dire que la Terre est nous, c'est que nous sommes la Terre. Parce qu'il y a une loi fondamentale, on en parlera un petit peu plus tard, de Lavoisier, un Français. Rien ne disparaît. Exactement. On parle de science. On parle simplement de science. De donner l'information dans le bon sens. Un deuxième chiffre qui est intéressant, c'est de savoir combien existe-t-il d'espèces vivantes sur la planète. Vous n'avez pas le droit de répondre parce que j'aurais dit. Non. On a une c'est approximatif. Il existerait 1 000 milliards d'espèces vivantes sur la planète. En y incluant bien évidemment les microbes, les bactéries, la totale, bien évidemment. Imaginez combien ça fait de morts depuis la naissance de notre planète, sur les 4 milliards. C'est un chiffre que je ne me suis même pas fiché à calculer pour être tout à fait honnête. Mais je ne me suis même pas amusé à calculer. Je ne sais même pas par où commencer. Ce qui signifie, c'est que nous sommes un tout. La réincarnation physique existe tous les jours. Tous les jours. Monsieur, il est bronzé. Monsieur, il a des origines peut-être indiennes. La dame est blanche. Bon, peut-être qu'ils sont musulmans, catholiques ou juifs, peu importe. Moi, je ne vois rien. Je ne vois aucune différence. Je vois simplement les mêmes. Les mêmes personnes. Il n'y a absolument aucune différence. Et vous allez voir jusqu'où cette société nous a poussé pour nous empêcher de réfléchir. Premier point, c'est que ça montre aussi à quel point nous ne connaissons pas grand-chose du vivant. Avec 1 000 milliards d'espèces vivantes, nous sommes très très petits, très loin d'une vraie réflexion sur qui nous sommes, ce qu'on est en train de faire, le mal qu'on est en train de faire, l'incompréhension qu'on est en train de faire. J'aime bien mes notes parce que des fois ils disent des conneries. et tu remarques ça en live. On apprend deux choses. Donc que notre planète vit et se nourrit des corps de nos ancêtres et de toute la faune et la flore. Indéfiniment. Tout à l'heure, je vous parlais de Lavoisier, le chimiste. Donc c'est une loi fondamentale, la conversion de la masse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui signifie que tout ce qui est présent dans notre univers s'échange et se réincarne à l'infini. Je vais mettre un petit peu plus vite en deux heures. Je vais vous donner aussi un autre point. Il existe 12 particules fondamentales. Ces 12 particules fondamentales, elles s'appellent les particules de la matière. On les appelle les subatomiques. Elle compose l'univers, l'intégralité de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers est basé sur ces 12 particules. Dedans, j'en connais quelques-unes de tête, les quarks, les glucons, les neutrinos. Bon, à vous de les vérifier, je ne suis pas physicien absolu non plus, il ne faut pas déconner. Donc ce qui signifie, toujours dans le processus de réincarnation, qu'au final, moi je suis ce verre. Je suis cette table. Vous, madame, vous êtes la moquette. Monsieur, vous êtes votre pompon. Il n'y a absolument aucune différence parce que ces 12 particules composent l'intégralité de toute forme. Toute forme. Certaines matières ont une apparence vivante, c'est-à-dire nous, les humains, les animaux, les arbres. Mais ces objets que l'on pense immatériels sont en matière vivante. C'est des millions de particules qui sont en mouvement. Nous, on les voit plus, on les voit seulement. Parce qu'on nous a inculqué ça, à partir du 3e siècle. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller vérifier, parce que je me suis vraiment fait chier, il m'a fallu 3 semaines pour la faire. Vraiment, allez-y, et attaquez-moi sur Internet, parce que, si je me suis trompé, parce que, bien évidemment, j'ai pas la science infinie. Je fais le même travail que vous, pour vérifier. Le deuxième point, qu'advient-il de l'âme, la conscience, ce nous, en fait, parce que c'est pas que le physique. Il nous anime, cette machine, ce truc formidable qu'on n'arrive pas à expliquer. L'incarnation de l'âme, ce qui nous anime, notre fond intérieur, le grand voyage. Où allons-nous? Je me suis essayé de me pencher sur les premiers témoignages et les premières croyances. Nos ancêtres, à l'époque, avant, pendant le néolithique, puis jusqu'au 1er siècle de notre ère, pensaient et croyaient que notre âme s'en allait voyager dans d'autres mondes. Et d'autres dimensions. On retrouve ça donc chez les chamans, on retrouve ça en Afrique, en Asie, en Inde,
chez les civilisations, j'aime pas, les tribus amérindiennes, dans les pays nordiques, tout ça un peu partout sur le globe. Les mêmes histoires. Puis qui me paraissent quelque part sensées. Dans le sens où aujourd'hui, dans les sciences, dans le domaine où on est, on est en train de se rendre compte que l'univers est en expansion, que rien n'est stable, que, comme je vous disais précédemment, ces 12 particules subatomiques s'échangent à l'infini. Nous perdons des tonnes de matière sur notre planète et on en a des nouvelles chaque année. Je crois que c'est. À vérifier, je voulais dire, je peux attendre de vérifier. Je crois que c'est soit 40 000 tonnes par jour ou 40 000 tonnes par an. Je vous invite à vérifier. Mais nous perdons et gagnons de la masse en continu. Et si vous vous souvenez de la loi de Lavoisier, rien qui disparaît. Rien disparaît. Donc on s'échange en permanence avec les autres astres, avec l'infini. Dans une énergie continuelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu de moi, des ancêtres, je ne sais pas, et vous, sur Jupiter, ailleurs. Parce que nous sommes un tout. Essayons de nous mettre dans la tête que on n'est peut-être pas le centre du monde. La pensée Descartes, elle a fait du mal, la pensée Descartes. Mais bon. Troisième point. Point un petit peu plus, je vais attaquer là, si j'arrive à attaquer. Le troisième point, pourquoi le paranormal ne sera jamais admis dans notre société? On m'a posé cette question des milliers de fois, les interviews, à la télévision, vous, tout le temps. Est-ce que tu penses qu'un jour le paranormal sera plus au sérieux? Ils ne sont pas droits. Ça me paraît difficile. J'ai essayé d'y répondre. D'ailleurs, c'est pas facile à crocher. Je vous disais qu'à partir du premier siècle, les choses ont commencé à changer. Qu'est-il vraiment advenu à partir du premier siècle? La religion monothéiste. On sortait des anciennes coutumes païennes, des anciennes croyances païennes. Ou si vous vous souvenez que ces anciens dieux nordiques, grecs et romains, Kami pour le Japon, représentaient les éléments naturels. La terre, l'eau, le feu, la vie. On a commencé à nous raconter des histoires. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est vrai ou pas. Je suis Japon, je connais très froidement les choses, et pourtant je suis de confession catholique, baptisé total. Donc je connais plutôt bien, mais la question est fondamentale de se dire, est-ce que on nous a fait quand même certaines histoires pour nous façonner? Deux événements vont avoir lieu. Entre le 3e et 4e siècle, il y a ce qu'on appelle le Conseil de Nicée. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'est le Conseil de Nicée? Moyennement, ok. Le Conseil de Nicée est une volonté du roi Constantin, à l'époque, parce qu'il est dans une situation où les pays voisins vont mal, parce qu'il y a différentes guerres de religion, de croyances. C'est-à-dire qu'on a Jésus de Nazareth, qui a, entre guillemets, plus le bordel. C'est très gentil ce que je dis, c'est pas une question. Mais différents courants commencent à s'opposer entre les anciens dieux, c'est-à-dire Isis, Mithra, le christianisme que l'on connaît aujourd'hui, et les Ariens. C'est Adolf Hitler. C'est le grand courant de pensée qui s'est battu, effectivement, contre le christianisme, déjà à l'époque. Qui croient, pour vous schématiser, c'est assez particulier. Ils ont un esprit mystique sur qui est le Christ, et les chrétiens ont un esprit beaucoup plus terre-à-terre et physique sur qui est le Christ. Il y a une vraie guerre mystique. Je vous invite à aller vérifier, vous allez voir, tu fais des décès. Donc pendant ce conseil que le roi Constantin met en place, il imagine une problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, les populations grandissent, puis les villes grandissent. Il réfléchit à unifier. Et en unifiant, il se dit, on va unifier la spiritualité, la philosophie, l'économie. Parce que nous allons rentrer dans une nouvelle ère. Je ne sais pas si vous savez ça. L'invisible, la spiritualité, nos origines, c'est ce qui était avant le 3e siècle. On appelle ça l'ère de prédation. La société chasseur-cueilleur. Durant cette époque-là, la société chasseur-cueilleur, on avait un chaman, un chef de village, très dirigé vers la nature. On prenait les saisons. On prenait ce que la terre nous donne. On ne prenait pas plus. On n'échangeait pas entre les tribus. On n'échangeait pas au sein de la même tribu. Les monnaies n'existaient pas au sein de la même tribu. Et puis cette ère de prédation est devenue, après début du 4e, ce qu'on appelle l'ère de la production. Et cette ère de la production, c'est le matériel,
la pensée unique et la compétition. Pour moi, je les invente. Constantin, qui a des cinéastes, avec les papas et les premiers catholiques. Et bien évidemment, ceux qui n'étaient pas d'accord, les païens, notamment, et puis les ariens, peut-être le bien, je ne sais rien, on les a tués, on les a nettoyés. On a fait ce qu'on appelle un nettoyage éthique, comme il y en a existe régulièrement, toujours sur la planète. Par exemple, de la Birmanie. N'oubliez jamais qu'il ne faut jamais faire de généralité. C'est très difficile. On est tenté de faire de généralité de temps en temps. C'est pas facile. Après tout, on est humain. Mais tout ce que nous envisageons, fabriquer, produire, aujourd'hui, pour le tien de Constantin, cette idée, est aujourd'hui tout se fait qu'un business plan. Ce qui est considéré comme paranormal aujourd'hui n'a pas toujours été. Les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui, de France, au moins celles de demain. On apprend, on évolue, on découvre aussi, parce qu'on a les moyens aussi de découvrir d'autres choses, même si, comme je disais tout à l'heure, 1 milliard d'espèces, on est encore loin de les avoir toutes découvertes. J'aimerais en tout cas vous inciter à sortir de temps en temps des sentiers. Vous allez voir, il faut des boucliers, des gilets, parce que c'est... Parce que c'est dur, parce que c'est difficile. Mais c'est à ce seul prix qu'on pourra du moins essayer de faire ralentir, parce qu'on ne pourra pas faire les choses, mais à faire ralentir cette machine infernale dans laquelle on s'est mis. Si ce monde avant Constantin était celui dans lequel on était supposé vivre, j'aimerais bien avoir une fresque, là, j'ai pas réussi à voir, mais. En gros, c'est moins 400 000. Moins 400 000 ans, le départ officiel de l'existence des hommes. Erectus, Sapiens, Néandertal. Jusqu'à le 21e siècle. Si on met ça sur une timeline, on a plus de trois quarts où on vivait proche de la nature. Proche des énergies. Proche d'une spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, de réflexion, tout ce que l'on fait, on entreprenait sur une échelle instantanée. Puis, les 20 derniers siècles, un peu moins, les 18 derniers siècles, comme je vous disais, on a fait des variantes de production, petit à petit, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, le paranormal, ça n'a jamais pris le sérieux. Et je vais vous dire pourquoi, très simplement. Parce que comme je vous disais, il faut un business plan. Vous connaissez quelqu'un qui a réussi à amener un fantôme sur un plateau de télé? Est-ce que vous avez réussi à trouver quelqu'un qui était capable de promettre que des fantômes arriveraient 24 sur 24 dans un lieu hanté? Et donc du coup, on se heurte à cette problématique-là. C'est-à-dire qu'un business plan, c'est pragmatique. C'est froid, c'est des chiffres. Quand on a une maison de production, on a mis des résultats. Encore des chiffres. Mais ces chiffres sont induits par des résultats de buzz, d'image, il ne faut pas les avoir. Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Je vous donne un exemple très froid, il y en a un qui est traité d'enfoiré, c'est pas grave. De cette aventure. La possibilité que j'ai eue de passer ce temps fou avec Dante, c'est d'avoir été aussi témoin de ce qui se passe outre-Atlantique. On m'a posé la question tout à l'heure, mais pourquoi en France on en parle moins? Pourquoi c'est moins accepté? Pourquoi c'est plus dans les pays anglo-saxons? Parce que dans les anglo-saxons, on a accepté de mettre des fantômes à la télé. Parce qu'on a accepté, ils ont accepté d'en faire un divertissement. Et ça ne m'échappe pas plus que ça. C'est du divertissement. C'est pas très grave. Bon. Je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier. N'oubliez pas, j'ai dit qu'il ne faut pas faire de généralité. Mais il existe heureusement des exceptions. C'est la problématique dans laquelle on est. Il faut qu'il y ait quelque chose de... du show, du buzz. Qui va sur Facebook et qui voit toujours ce truc abominable, chiant, la minute buzz. Qu'est-ce que c'est que la minute buzz? Comment vous savez, on s'est éloigné de tout ça. Vous allez me dire, Nico, putain, on parle de quoi là? C'est complètement. C'est assez déconnecté des chasseurs de fantômes, tout ça. En fait, je vous parle de l'envers du décor, de la réflexion que nous avons tout le temps en permanence, de pourquoi il est impératif. Impératif de réintégrer le monde immatériel dans ce que l'on vit tous les jours. On vit dans un monde où c'est le matériel qui prédomine en permanence.
et tout ce qui est immatériel, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne peut pas prouver n'existe pas. Mais par qui? Par Constantin. Par cette pensée unilatérale qui nous dit « Préoccupe-toi de ce que tu fais tous les jours, produit pour vivre. » Vous savez, Cyril Hanouna, c'est salaud pour Cyril, franchement c'est salaud, mais il est diverti parce qu'on travaille tous les jours, parce que la vie est difficile, parce qu'on travaille, on est obligé de se lever le matin pour payer ce que tu crédites. On n'a pas le choix, on est prisonnier de ce système. Même si on arrive dans une ère où il y a de plus en plus de gens qui veulent sortir de ce système, je le vois, il y a des villages autonomes qui sont... Rien qu'à dire, mais les gros, machin. Je suis pas forcément baba, j'observe. Je regarde comment la société est en train d'essayer de changer. Comment on peut faire mieux? Parce que c'est pas moi qui veux faire mieux. C'est nous. C'est pas moi. Comment on peut essayer de faire mieux? Et on peut faire mieux en prenant conscience que nous sommes tous pareils. Que ces sacrées, foutues, douces particules composent l'intégralité de tout ce qui est nous. Il y en a qui prennent des choix, font des choix. J'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. C'est mon choix. Parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu l'atroce horreur de voir une ferme de 10 000 vaches. Vous n'avez pas une idée. Pas idée. Pourtant, je suis vraiment un viandard. Franchement, je suis un viandard. Moi, ma côte de bœuf, mec. Même encore maintenant, des fois, j'en transpire. Hein. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Si on ne fait pas des efforts, pas d'un tout petit effort, en tout, les choses ne vont pas changer. Quand je peux discuter avec chacun d'entre vous, tout le monde me dira ah, j'aimerais bien que ça change. Ah, tout le monde aimerait que ça change. On aimerait bien moins bosser, quand même, déjà. Ou on aimerait bosser plus pour nous. Ou que les choses aillent mieux, qu'il y ait moins de guerre, que tout aille mieux. Et le paranormal peut changer ça. Parce que le paranormal induit ce qui est invisible, ce que nous ne voyons pas. Ces fameuses douces particules. Cette terre qui est nous, en permanence. Nous sommes nous. Apparemment, c'est pas juste des fantômes qui vous... C'est pas le cas. C'est ce qui est impalpable, c'est ce qui est invisible. C'est ça qui est important. Donc à travers ce livre, Les Saisons du Paradis, pour toutes les raisons que vous expliquiez, j'ai essayé de prendre 10 personnes. 10 personnes, dont des gens que je connais. Alors, je les ai transformées physiquement, j'ai pas donné leur prénom et leur nom, bien évidemment, je les ai intégrées dans une fiction. Fiction qui vous rappelle où on en est aujourd'hui. Et cette histoire, dans une cinquantaine d'années, notre planète va subir quelque chose de catastrophique. C'est le livre, c'est moi qui le dis, c'est le livre. C'est une fiction. Donc, il va se passer quelque chose. Et nous allons remonter dans le temps et vivre cette histoire à travers une dizaine de personnages et voir si on peut changer ça. J'avais envie de me dire, fais-le par une fiction, parce que je le vois d'ailleurs en plus. Ça marche bien les fictions, en fait. Parce que c'est plus digeste. Parce que c'est lourd ce que je viens de vous dire. Là, on est passionné. Je ne peux pas avoir un discours comme ça avec des gens qui ne sont pas du tout passionnés. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile de capter. Vous êtes dans une cave, on est là, C'est un fou. Peut-être. En 2002, j'étais tout seul. Il y avait le professeur Yves Vignon. Il y avait M. Eric Fierson. Il y avait Lémy. À Paris. Qui y avait d'autres? Il n'y avait pas grand monde. Et quand je prenais mon sac à dos pour aller récupérer un témoignage, un procès-verbal de gendarmerie ou une observation à tel endroit, j'étais un fou, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, j'ai cette chance extraordinaire d'être debout là à lui. Donc il y a quand même de l'espoir. Je vous disais tout à l'heure que ce ne sera peut-être pas plus le paranormal, mais il y a toujours de l'espoir. Parce que les choses ont quand même évolué. Pas tout le temps bien. Hein. Il y a quand même eu des histoires assez catastrophiques dans le paranormal. Je citerai Gus, je citerai Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. Je citerai d'autres. Je les comprends dans certains cas, bien sûr. Je suis très humain, je les comprends. Mais n'avons-nous pas, nous, un devoir d'essayer de faire plein de choses bien? Et pas de se tirer dans les pattes pour une question d'ego, c'est moi qui ai écrit la théorie de la pyramide, ou c'est moi qui ai fait les plans, machin, ou... Oui, mais bon, j'ai eu la pression de mes fans. Non, je crois pas. Si ça te plaît pas, tu te casses. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote qu'on a eu avec Anton. Anton, il y a eu...
était assez dame. Et puis on avait fait le premier épisode pourri, là, absolument d'obesque de W9 avec Sophie Saïd. On avait accepté parce qu'on savait pas trop où on allait. Puis en faisant, c'était... C'est réveillé d'une catastrophe, c'est-à-dire qu'on pouvait... C'était ridicule, quoi. Et donc on avait fait tout ce qu'on fait quand on a une petite société, on avait fait un crédit, on avait des choses à payer, des frais. Et quand les deux producteurs de Little Big Production, les mecs qui ont fait Popstar et Chantier, ils ont dit, bon, j'ai 4 nouveaux épisodes pour vous, c'est 75 000 euros par épisode. Bon, tu as réfléchi à deux fois. Et il te dit, par contre, Madoua, Johnny Hallyday, puis les deux on les connaissait pas encore. À Quentin, on s'est dit, alors, ils nous proposent de l'argent pour nous acheter, puis en plus, on va se taper des gens qui n'ont absolument rien à foutre de l'éléphant, qui sont juste là pour faire la promo de leur prochain spectacle et au prochain musical. On leur a dit non. On dit non les gars, ça ne marchera pas. Ils nous ont dit, ça ne passera plus jamais rien. Plus jamais rien. Vous avez raison, mais en même temps ils avaient tort. Un an plus tard, on faisait un truc avec Planète. Mais, vous avez raison, beaucoup d'entre vous nous ont posé la question, si ça sera des trucs avec les... ça ne reviendra. Si vous savez que nous aiment pas. Que ils nous aiment pas. Et c'est pas être prétentieux, c'est simplement que quand vous avez une dame qui est là, Véronique, chez qui on a fait une enquête tout récemment, qui vit des phénomènes parce qu'elle a eu un proche qui est décédé, elle ne sait pas comment, elle n'est pas préparée à ça. Moi, c'est ce qui m'a toujours donné envie d'essayer d'aider et d'écouter les autres parce qu'on n'est pas sûr de grand-chose. Donc, ça fait la queue derrière. J'ai envie de conclure sur une petite phrase, ça sera peut-être un peu de temps pour quelques questions, ceux les plus courageux. C'est un peu vous. Un peu moi, un peu monde. Cette histoire du monde immatériel et du matériel. Si je vous avais sorti cette phrase au début de la conférence, je ne suis pas sûr que vous l'auriez vraiment compris. Parce que c'est compliqué, on n'est pas sûr de grand-chose. Gardez juste l'esprit ouvert, l'esprit critique. Vérifiez les sources. N'oubliez jamais que nous sommes un tout. Est-ce que je vois aujourd'hui ton bleu, là, ton rose? Ton voisin, il ne voit pas le même bleu, ni le même rose. Parce que la lumière est frappe différemment aussi dans votre œil. Tout est différent. Il n'y a aucune règle. Aucune règle. Gardez juste l'esprit ouvert. Si vous avez des questions, allez-vous. J'espère que vous n'avez pas trop fait... voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop regardé. Je pense que certains s'attendaient à autre chose. Je ferai rien pour faire du sensationnel, ça m'intéresse beaucoup moins. J'avais juste envie de vous parler aussi avec le cœur, avec une réflexion. Et il y a des gens qui ont des statuts publics, comme Elie Sénoun qui dit « Ouais, moi, par exemple, je ne ferai jamais rien, je ne prendrai pas la défense de la cause animale, parce que moi, j'ai une image. » Mais si c'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est vous, on existe grâce à vous, les followers, les vues, tout ça, c'est grâce à vous, moi, je suis rien tout seul. Si on prend pas des risques de temps en temps pour essayer de faire changer certaines choses qui vont un peu dans le mieux. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur pour ceux qui mangent de la viande, ça n'a rien à voir. J'ai jamais dit qu'il fallait arrêter. J'ai dit qu'on peut faire mieux. Tout mieux. On peut faire mieux. Voilà. Mais dis-donc, t'étais où toi? Bon, tu viens à côté de moi, mais tu l'as refait avec moi. Alors, est-ce que certains ont des questions? Est-ce que... Soit le changement que tu désires voir dans le monde, le changement commence par soi en premier et après les choses se mettent en place. Je pense. J'étais à des années-lumière de ça, il y a encore quelques années. Et on évolue, on change avec ce qui nous arrive dans notre vie, parce que c'est la vie qui nous façonne quelque part. Il y a des gens qui sont façonnés pour le mal, qui ne verront que dans leur priorité principale l'argent, encore une fois, une constatation quand même. Et d'autres, leurs préoccupations principales sont la famille, par exemple. Ou d'autres, ce seront les animaux, ou d'autres, ce sera leur passion, ou d'autres, ce sera leurs amis. D'autres, le pinard. Apprendre la tolérance, comme vous dites. On est tous différents. On commence par soi. Il faut un point de départ. J'aurais pu choisir de faire cette conférence, mais j'avais envie de la partager. Peut-être que dans l'eau, il y a 3-4 personnes qui diront, tiens, pourquoi pas.
que d'autres ont des questions, allez-y, hein. Lâchez-vous si vous voulez m'insulter. Je vous le dis. Quelle est la prochaine évolution de l'homme, à votre avis? Et dans combien de temps? Une durée de temps? La problématique, c'est... Alors, je ne suis pas devin. Oui, non, c'est pour savoir si vous avez une idée. J'observe. Voilà. Les grands courants, le grand courant, ce sont les nanotechnologies. Qui sont la prochaine grande étape, c'est-à-dire les nanotechnologies, je ne sais pas si vous savez, c'est des toutes petites micro-machines qui vont, dans notre organisme, nous faire toutes choses dans X buts. Au début, on est en train de nous les vendre d'un point de vue médical, mais elles arriveront bien évidemment pour autre chose. Pour nous remplacer à terme, bien évidemment, la robotique nous remplacera à terme, c'est un des grands axes. Elon Musk, on a quand même parlé récemment, tu vois, on a entendu parler. Je pense que les choses vont. Je pense qu'on va déjà s'empoisonner. Je vous inviterai à lire un livre que vous ne trouverez pas sur le salon, le livre de Gilles, qui est un ami, quelqu'un que je suis vraiment extraordinaire, Gilles Bertigot, qui a écrit le livre It, et qui va vous expliquer comment, A à Z, pragmatique, vous êtes empoisonné tout ce temps que vous êtes, sans aucune différence de classe. Comment vous êtes empoisonné avec l'alimentation industrielle que l'on mange. On a des données. Aujourd'hui, on a assez de recul. 30-40 ans d'expertise médicale, d'expertise d'observation sur la façon dont on produit. On voit les dégâts. Alors on dit, oui, on vit plus longtemps. On vit plus longtemps, c'est vrai, mais sous assistance médicale. Dans quel état ? Et dans quel objectif ? Les maladies que l'on meurt aujourd'hui, les problèmes cardiovasculaires, les artères, le gras, ce ne sont pas les maladies qui nous tuait au début du siècle. Les maladies qui nous tuaient au début du siècle, aujourd'hui, on les guérit. Donc si on n'avait pas déconné, si ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale ne nous avait pas... C'est sans doute une guerre en Occident. On a gagné, donc ça a été très vite, d'abord en Amérique, après l'Europe. Aujourd'hui, on y est. Hein. Aujourd'hui, on y est. On y est. La deuxième Amérique, c'est l'Europe. Parce que, on y est. Et donc tu posais la question, ce qui nous attend, d'abord un empoisonnement des masses. De toute façon, si les gens ne réagissent pas, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est un peu plus cher, c'est long, c'est fastidieux, il y a de la, comme je disais au début de la conférence, information, désinformation, c'est très difficile. Et puis mes vérités qui auront pourtant des observations scientifiques sur tel ou tel produit, et ben, tu auras d'autres personnes en face de moi qui me diront non, c'est pas vrai. Peut-être à raison, mais d'autres à tort. Donc je vois les choses probablement pas aller dans le bon terme, dans le bon sens. Sans parler de ça. Tu poses une question qui est dure, mais je crois définitivement que l'Occident, l'homme blanc, aujourd'hui il est temps de freiner. Je pense qu'on a fait suffisamment de mal partout. Je pense qu'il est temps de lever le pied. Et moi je crois que c'est en s'excusant, c'est en reliant un discours qu'on peut améliorer les choses. C'est ce que je crois. D'autres ne penseront pas comme moi, peu importe. Donc c'est pour ça que je vous réponds vraiment honnête. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire « Mais c'est qui ce con ?» Et encore une fois, c'est simplement un ressenti. Je ne sais pas que j'ai raison. Vous avez une idée au niveau des vaccins? Parce que moi, je suis un peu perdue. Parce que... Alors apparemment, ça fait beaucoup de mal, mais après, on dit que ça a guéri des choses. Alors là, tu viens de... Ah, je vais vous répondre. Ce n'est pas un sujet en train de... je suis prêt à m'exprimer, parce que je suis en plein dedans, et sûr que j'aimerais comprendre, que je suis très curieux, et je peux le comprendre, et puis je n'ai pas toutes les cartes, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les cartes un jour, puis c'est un sujet où on se fait quand même exploser, vraiment plus que les autres. Donc je me fais déjà bien atomiser, donc je me dis, tiens, ce qui je peux qu'il reste, je vais t'éviter. Mais dans le livre Les Saisons du Paradis, j'ai un petit garçon, c'est Eliane, et un garçon que j'ai rencontré il y a quelques années. Et qui s'est fait vacciner. Il est devenu espérateur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai choisi de me mettre dans ce livre. Excusez-moi, il est devenu Asperger. Autiste. Mais il y a d'autres théories sur les Asperger. Est-ce que d'autres ont des questions? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, c'est aussi le moment de... Allez-y, hein, les timides, là. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué dans toute ta carrière? Aussi bien
extraterrestre, unique, côté entité. Je ne sais pas, ça. Je te dirais que j'ai une expérience moi, qui m'a extrêmement marqué. Il y a une dizaine d'années, j'ai été contacté par un ancien capitaine de gendarmerie. Il m'a parlé un petit peu. Et cet homme, comment dire, en anglais, un background professionnel assez incroyable. Et, s'est retrouvé sur des cas, sur deux crashs, sur des trucs assez incroyables. Et il m'a raconté qu'il avait été enlevé à plusieurs reprises. Son histoire. Et ce qui m'a touché, c'est la détresse absolue de cet homme. Parce que il n'a rien gagné. Il a le compteur, sa femme est séparée, il n'a rien. Parce que la presse est venue 24 heures sur 24 chez lui. Et ça fait écho à une phrase que j'ai lue dans un livre de John Locke. Vous savez, le professeur, je ne sais pas le début de la conférence. Il disait, je ne sais pas ce que c'est, et ce phénomène est physique. Physique. 10 ans de recherche, 10 ans de travaux. Je vous invite vraiment à aller voir ce que fait John Locke. Ces travaux sont assez ahurissants. Ils vont vous faire vraiment vous faire briller la tête. C'est soutenu, c'est bien écrit, c'est propre, c'est protocolaire, c'est aussi ce qu'on a besoin. C'est un protocolaire, qu'il y a quelque chose de scientifique. Il y a besoin d'être attaché à quelque chose, il y a des choses qu'on connaît aussi. Je dirais que c'est l'un des points.